Sensational. 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 Okay. Des nouveaux codes de création, on en a. h 30, musée du Petit Palais, collection Ditche Kayek. La jeune créatrice turque aime les jolis volumes, jupes de danseuse et blouses de soie, béret pailleté, sans prétention mais vraiment chic. h 16, Palais de Chaillot, Jérôme Dreyfus gagne en assurance de saison en saison. Pas trop stress, ça va. Ça y est, moi j'ai marré. Regardez les filles qui sont là, elles ont des seins, des hanches, elles sont belles, c'est des femmes, c'est pas des gamines. Et pour moi c'est très important. Chacun a son univers. Le mien est très féminin, très sexy, très glamour. Même si ce sont des mots un peu galvaudés. Voilà quoi, moi je vais m'amuser. On dit qu'il marche dans les pas de Galliano. Et alors, ce qu'il fait est joli, non? h 30, musée du cinéma. Rock et Rodeo Drive ont inspiré la jeune créatrice belge sortie elle aussi de l'école d'Anvers. Mercredi 11 octobre, encore 16 présentations. 14h, Paris 15e, Givenchy. h 30, Parc André Citroën, Louis Vuitton. À voir ces graffitis stylés sur de si mythiques accessoires, on a eu peur pour la suite. Eh bien non, Marc Jacob a maîtrisé parfaitement la coupe de ses vestes, de ses blouses et de ses jupes bulles de taffetas portées avec brio par les tops médiatisés de la saison. Thank you.
20h30, juste à l'heure pour parler un peu en coulisses avec Jean-Paul Gaultier de sa passion. La robe noire, c'est quelque chose, bon, la robe de cocktail, c'est toute cette image-là, c'est l'image de la parisienne, un petit peu. Déjà, la couleur noire elle-même, c'est ce qui représente le mieux les lignes et la ligne d'un vêtement. C'est là où c'est la chose la plus lisible, la plus claire, la plus élégante en même temps. À la limite, c'est presque une facilité, le noir, parce que c'est le noir et va à tout le monde, c'est beau et c'est le plus pur et c'est ce qui, en fin de compte, et je trouve que c'est là qu'elles sont au maximum. Après, pour moi, c'est de la fantaisie, les autres couleurs. Retour vers le futur pour cette collection Big Bang. Jean-Paul Gaultier revisite tous ses codes, il joue avec, il les déglingue comme à ses débuts. Le message, ce n'est pas parce qu'il est devenu un grand couturier qu'il renie ses premières amours. Au contraire, il les fait évoluer suite à la prochaine collection. Jeudi 12 octobre, 19 shows, c'est beaucoup, non? 10h30, salle de l'Orme et Gabriel pour le défilé Chanel. Un tohu-bohu de stars qui fait la joie des journalistes. Je trouve ça très simple. Je trouve ça très sobre, en même temps je trouve ça assez moderne, très structuré, élégant, les matières sont très belles. J'ai envie de leur faire plaisir en venant. Je suis en même temps curieuse de voir leur travail, puisque je le suis à travers les années. J'ai envie de voir le travail de Karl, quoi qu'il fasse, pour voir, par curiosité, quelles vont être les tendances de la mode. Même si moi, j'ai un goût assez particulier, je veux dire, comme chacun. Pour moi, un styliste, ça a toujours été ou Karl ou des gens comme lui, quoi. C'est clair, c'est quelque chose qui remonte à toujours. Je crois qu'il a encore une question à vous poser. L'idée, c'était une espèce de raffinement total qui va jusqu'au bout des ongles. La chantilly, tout ça, c'est des choses que Chanel a toujours fait. Chiquissime attitude, très coco. Palais de Chaillot, le Hollandais Tom Van Ingen ne voit que par la maille, talent à suivre. La collection, bah, que de la maille, tout ce que vous voyez, du dentelle aux fleurs, aux robes, aux pantalons, tout est de la maille. Toujours pareil, je choisis que quelques fils qui à la base sont très classiques. Il y a un fil coton mercerisé, un fil urex et un fil viscose. Et ces trois fils, je les mélange, je les... Même lieu pour cette rencontre avec un habitué des podiums. Je trouve que les tracts avant un défilé, c'est totalement inutile. Il faut avoir les tracts quand on commence une collection. Là, oui, parce qu'il y a toutes les options possibles, il faut faire des choix. Après, à mon avis, il faut essayer tout simplement de matérialiser le mieux possible ce qui est votre idée. On sait toujours que dans la mode, on ne fait jamais l'unanimité. Alors, ça, c'est déjà une chose escomptée. Et ce qui est très important, c'est d'arriver à exprimer ce qu'on avait envie d'exprimer. La collection va être vraiment l'expression d'une femme sûre d'elle,
qui peut s'exprimer, qui peut exposer son corps d'une façon qui n'a rien de compliqué. C'est une façon très, très directe, très pleine de joie de vivre. Toutes les matières utilisées sont assez lumineuses, sans être brillantes, mais sont lumineuses. Et le maquillage très naturel, très solaire. C'est vraiment une femme du soleil, celle qu'on va voir aujourd'hui. Musée du Petit Palais, Nicolas Ghesquière pour Balenciaga surprend en signant une collection d'un romantisme échevelé, mais sans mièvrerie. Volant de tulle et chèche sur jean, dépoussière avec style, une certaine idée de la féminité. Salva Graham, rendez-vous avec Thierry Mugler, en grande forme et sous influence du dieu Ra. C'est un homme de spectacle, c'est quelqu'un qui a besoin, je crois, pour montrer toute ampleur de son talent, qui a besoin de mise en scène, une certaine théâtralité quand même. C'est difficile d'être inspiré par Thierry parce qu'on a l'herbe coupée sous le pied parce que c'est lui qui fait les meilleures photos de ses vêtements. Vraiment, c'est bien, mais le look et le raffinement, c'est aussi le corps, les peintures du corps. J'ai fait beaucoup les tatouages, maintenant c'est les bronzages. Nous avons travaillé aussi sur les lumières vraiment, et avec des reflets, oui, de maquillage, oui, parce que c'est l'inspiration divine du soleil, et l'hédonisme et la joie de vivre, et c'est toujours très beau. Vendredi 13 octobre, 21 défilés, c'est de la folie. On peut pas tout voir, dommage. 10h, au Trinquet, dans le 16e arrondissement, on se presse pour voir ce café Karl pour Lagerfeld Galerie. Karl Lagerfeld travaille beaucoup et ça se voit. Aux proportions des pantalons qui allongent la jambe, à celle des épaules, aux manches courtes qui donnent une allure remarquable, on sent l'œil du photographe. Salle Gabriel, Vivienne Westwood propose sa collection baptisée Exploration. Peut-être pas aussi classique qu'elle en a l'air. C'est vrai que je suis anglaise et je ne peux pas éviter d'être anglaise. Et je n'essaie pas de l'être. Mais je ne sais pas d'être choquée. h Musée Rodin, Saint-Laurent, par Tom Ford, c'était la collection événement de la saison. Pas si facile de prendre la place d'un mythe vivant. Comment aller s'en tirer le visionnaire de génie? Plutôt pas mal la collection noir et blanc, inspirée par Betty Catroux, la muse d'Yves Saint-Laurent. Les gens parlent souvent de M. Saint-Laurent comme d'un coloriste, et c'est un coloriste extraordinaire. Mais quand je pense à Yves Saint-Laurent, je pense aux tailleurs, aux lignes sublimes, incroyablement coupées, et j'aimerais beaucoup que le public s'en rende compte. Thank you.
c'est moderne, c'est du Saint-Laurent. Bon, comme il le dit dans son programme, il est allé à l'essentiel. Ça va sans doute rajeunir la clientèle de Saint-Laurent, parce qu'une femme de 30 ans trouvera vraiment son bonheur dans cette collection. 21h, Musée des Arts Africains, Jérémy Scott s'adonne au glamour néo-hollywoodien avec bonheur. Je crois qu'on a besoin du glamour, du passion, du couleur, du fils sublime, bien maquillé, coiffé, tu vois. Jean-fille qui fait fille, tu vois, Jean sublime. Pour moi, j'étais inspiré par la couverture des magazines Cosmopolitan, américain, qui était dans les années 80, le début et la fin des années 70. Et c'était la fille sur la couverture sublime avec les maquillages et tu le coiffes, tu vois, de côté, tout est sublime, les maillots de bain et les jersey de soie et les bijoux. Et c'était ça, moi j'étais inspiré par ça simplement et j'ai voulu refaire ça. Samedi 14 octobre, dernier jour des défilés, Keita Maruyama vient juste de sortir de l'école Bunka de Tokyo. Comme c'est le nouveau millénaire, j'ai essayé de présenter une collection très gaie pour que je puisse m'amuser aussi. De plus, c'est une collection intelligente. Parce que la moitié des gens ont détesté, moi j'ai beaucoup ri. J'ai pas ri pendant la collection, j'ai regardé parce qu'il fallait vraiment voir. Et c'est bien. Il faut maintenant que les journalistes fassent des efforts un peu. Hein. Salle de Nôtre. Les créateurs portugais font l'événement. 6 jeunes talents, très soutenus par leurs industriels, eux. On a voulu en savoir plus. Ce projet est sponsorisé par 3 associations. L'association portugaise de textile, les jeunes entrepreneurs et l'association pour la jeunesse. Le projet est soutenu financièrement par le gouvernement portugais. J'ai fait mes études de mode à Lisbonne, dans une école. J'ai pas terminé le cours, j'ai fait 2 ans. Après, j'ai sorti, j'ai travaillé comme assistante de mode dans l'édition portugaise de Elle, du journal. Maintenant, je suis moitié booker dans une agence mannequin, moitié créateur. J'adore ce que fait Jean-Paul Gaultier, j'adore Yves Saint Laurent, j'adore Martine Sitbon, pour donner 3 noms français. C'est une collection un peu avec une fâche hectare entre 35 ans et 45 ans. Elle est très élégante et se dirige à une femme qui travaille, une femme exécutive et surtout à une femme qui a de bon goût. J'espère. Qui a bon goût. Je travaille pour une usine qui fait des pièces en maille. Et j'ai fait une collection très inspirée au début des années 80 sur toute la pop musique, un peu siouxi. Et toute la question est. A des touches en noir brillant,
mais aussi des touches de couleurs comme le turquoise et l'orange très vif qui donnent un air contemporain à la collection. Nous avons 10 ans de mode à Portugal et tous les créateurs ont créé sa propre image. Nous n'avons pas des influences qui arrivent d'autres villes comme Paris par exemple. J'ai travaillé pour une entreprise portugaise, Maya Sila, et j'ai dessiné une collection appelée Concreto. J'ai déménagé à New York il y a 2 ans, je vis là-bas et j'y travaille. Mais je continue à avoir un job au Portugal, d'abord parce que je suis portugaise, et que j'ai travaillé avec eux pendant 10 ans. Nos relations sont très bonnes. J'adore Alexander McQueen. Je l'aime parce qu'il a beaucoup de créativité, c'est un génie. J'ai travaillé dans un studio des tendances dans Portugal. C'est une association nationale de l'industrie textile. Et après ça, j'ai développé des collections pour des marques, des entreprises dans Portugal. Après, j'ai gagné un concours dans Portugal et j'ai venu à Paris pour 3 mois pour un étage dans le studio Pecklers. Et après, j'ai commencé mon collection dans Portugal. J'admire Yves Saint Laurent, je crois que c'est le mieux pour moi, mais il y a des autres que j'aime aussi. And from the hospital, he took her to a movie, but so did I. It's very... Ma collection est très colorée, and it's very feminine. Très féminine. I don't know. Comment je ne sais pas trop comment on dit. C'est un mélange de décontraction et de sophistication. De Portugal, mais je fais quelque chose avec France parce que je suis le créateur pour le monde de Marie Claire et de la Montagute, c'est vous, et un département pour le monde de la Guesse aussi, et je connais très bien Paris. Je fais la vêtement pour les femmes, tout ça, des chaussures, des bagues, des underwear, des vêtements, et puis les lunettes, et les chapeaux, etc. Et pour l'homme, la même chose. À suivre. Everybody said. Je suis depuis toujours tourné vers la mode. Everybody said. Je suis depuis toujours tourné vers la mode.